Bienvenue à la suite de la correction de l'exercice qui traite la structure ville. Jusqu'à maintenant, nous avons répondu à la question déclarer la ville, la structure ville. Nous avons déclaré un tableau de ville et nous avons demandé à l'utilisateur de remplir le tableau par n villes à condition que n doit être supérieur à 0 et inférieur strictement à 0 et inférieur ou égal nombre maximal de villes ou bien la taille du tableau. Maintenant, on va répondre à la question 4 puis à la question 5. Alors la question numéro 4: afficher la population totale d'un pays dont le nom est donné par l'utilisateur. Ça, c'est la question numéro 4. Print, donnez le pays dont vous voulez calculer la population totale. Donnez le pays dont vous voulez calculer la population totale. Une chaîne de caractères, le nom du pays, le pays où nous voulons calculer la population. Voilà, le nom du pays. Après, on va lire gets nom pays. Et voilà. Jusqu'à maintenant, nous avons lu le pays dont nous voulons calculer la population totale. Je vais parcourir tout le tableau de ville et je vais faire la comparaison. Est-ce que le nom du pays saisi est le même avec les différents éléments de tableau? For est égal 0, i inférieur est égal à n et plus. Et je vais faire la comparaison. If str si un pays non pays et avec tab ville du i point pays. Voilà. Dans le cas où la fonction strcmp retourne 0, il faut ajouter la population à la population totale. La population de cette ville à la population totale. La population totale plus égale ta ville de i point population. Point population. Contrôle S. Voilà, nous avons calculé la population totale. On peut l'afficher, par exemple, printf, la population totale de la ville, de pays plutôt, puis pourcentage D. Virgule, nom, pays, virgule, population, T, et voilà. Voilà, c'est ça la population totale du pays, deux points, ou la E, ou bien, faites ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à trouver la ville la plus peuplée, c'est-à-dire la ville qui contient le nombre maximal de population. La ville la plus peuplée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'indice de la ville. On suppose la ville la plus peuplée est la ville numéro 1 ou bien la ville de premier tuple. Int indice ville peuplé, par exemple.
Je vais l'initialiser par 0. For est égal, je vais commencer par 1, et inférieur est égal à 1, et plus plus. If table ville de indice ville peuplée est inférieur à table ville de i point population, dans ce cas l'indice ville peuplée reçoit i, indice ville peuplée reçoit i. CTRL S. Voilà. Et c'est terminé. Après l'affichage de la ville la plus peuplée, voilà, qu'est-ce qu'il reste que écrire à printf la ville la plus peuplée et le point pourcentage S, ta ville, indice ville peuplée, point nom. Voilà, c'est ça la ville la plus peuplée. Voilà, je vais mettre ça, je vais commenter ça. Voilà, je vais commenter tout ça. Et après, je vais mettre un exemple d'exécution. Je compile. Ah, voilà, mon pays de 30, par exemple, oui. STSMP. Alors, il faut importer, il faut introduire la bibliothèque string. Include string.h. Bien sûr, point population, CTRL-S. P majuscule. Oh là là. Voilà, maintenant, j'ai corrigé toutes les erreurs. Et je me fais un exemple d'exécution. Entrer le nombre de villes, par exemple 4. La ville 1, par exemple, Tanger, Maroc. La population, par exemple, 1 million. La ville 2, par exemple, Oujda, Maroc. La population, c'est par exemple 400 000. La ville 3, par exemple, Alger, pays Algérie, population par exemple 600 000. La ville 4, par exemple, Paris, le pays la France, la population par exemple 4 millions. Alors, dans les pays dont vous voulez calculer la population totale. Ah voilà, il faut vider le tampon. Il faut vider la même chose que se répète avec la fonction gets. Gets, il faut toujours vider le tampon. FFlash. STD in, il faut libérer le tampon, ou bien il faut libérer le tampon, il faut gérer le flux d'entrée. Alors, la ville la plus peuplée, il faut mettre un S ici, et je vais mettre un exemple de, je recompile de nouveau, et j'exécute, par exemple, le nombre de la ville, par exemple, 5, la ville entrée, le nom de la ville 1, par exemple, Casa, puis par exemple, Maroc, population par exemple 3 millions, la ville 2, par exemple, Alger, puis Algérie, par exemple, 1 million, la ville 3, par exemple, Casa, Maroc, 500 000. Rabat, puis Maroc, 1 million. La ville 5,
Par exemple, Tanger, Maroc, la population, par exemple, 1 million. Donnez le pays dont vous voulez calculer la population, par exemple, le Maroc. Jusqu'à maintenant, 500 000 millions, Rabat, 1 million, Tanger, 1 million, c'est 2 millions, Casa, c'est 3 millions, c'est 5 millions, César, 500 000, c'est-à-dire 5 millions et demi, la population totale. Et la ville la plus peuplée, c'est Casa. Voilà. Dans le pays dont vous voulez calculer le Maroc, la population totale de Maroc, c'est 5 millions. La ville la plus peuplée, voilà, certainement on a une erreur. Je vais relire le programme. Pour éviter la plus peuplée, pourcentage est top ville indice point nom. En retour, je vais mettre ici en retour à la ligne, CTRL S. Je vais compiler et exécuter. Je vais mettre juste deux. Par exemple, Casa. Par exemple, Maroc. Ah, faites attention, le langage C, c'est un langage sensible à la casse. Population, par exemple, 4 millions. La ville 2, par exemple, Fès. Maroc. Population, par exemple, 1 million. Par exemple, Maroc. M en majuscule. Maroc. Regardez bien. La population totale du pays est Maroc. La ville la plus peuplée est Casa. Merci. À la prochaine vidéo, je vais refaire cet exercice, mais avec les fonctions.